je ne peux. Que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Voilà le fleuve, les lacs même au niveau du palais du peuple. Donc ne venez pas, chers amis. Les véhicules sont en difficulté ici. Vous avez vu la Jeep là? C'est en difficulté. Là, c'est devant le palais du peuple. Triomphal, mon lac. Palais du peuple, mon fleuve. Voilà, là c'est les cidés, les quoi partout là-bas. Donc ici nous sommes bloqués dans l'eau. Attends, tu vas voir. Nous sommes bloqués dans l'eau. On ne sait pas passer. Tous les véhicules stoppent. Tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et l'intégrité du territoire en cas d'agression extérieure. Qui dit mieux? Qui ici pense qu'il ne doit pas défendre l'intégrité du territoire? Qui? Si vous n'avez pas l'intégrité territoriale, vous n'avez pas le pays. Vous n'avez pas les Congos. Aujourd'hui, nous n'avons pas les Congos. Aujourd'hui, nous n'avons pas les Congos avec ces 2 345 000 km², on n'a pas. Aujourd'hui, ce n'est pas les pouvoirs des Kinshasa ici, même si nous disons les pouvoirs des faits, ce n'est pas les pouvoirs des Kinshasa qui administrent au Bunagana. Allez à Lujou, allez à Masisi, allez à Lubero. On commence déjà à enseigner aux enfants des langues qui ne sont pas les nôtres. Qu'est-ce que nous faisons? Et j'ai dit, non, il faut s'arrêter, il faut la cohésion nationale. C'est quoi la cohésion nationale? Notre parti SID est allé à organiser son conseil national et nous avons pris 10 résolutions. Parce que parmi ces 10 résolutions, la résolution numéro 6 dit clairement ceci. Vu la désunion nationale, nous demandons à nos pères spirituels de nous mettre tous ensemble. Maintenant que nous sommes dans cette situation-là, le pays n'est nulle part. Fayou nous s'est dit non. On doit regarder l'intérêt du pays, d'abord, d'organiser une réunion autour du thème
vérité, réconciliation et cohésion nationale. On va se dire la vérité. On va se dire des vérités, pas la vérité au singulier. On va se dire des vérités. On peut se fâcher. Comme chez nous en Afrique, là, en arabe. Comme c'était dans les temps anciens. Je vous dis la vérité en face pour que vous compreniez ce que moi je comprends, ce que j'entends, ce que je veux, et puis après, on trouve une solution. Et c'est ça ce que nous demandons, l'esprit de la cohésion nationale. La cohésion nationale pour que les Congolais séparent, discutent et voient quatre choses. Quelles sont ces quatre choses? La première, c'est comment recouvrir l'intégrité territoriale de notre pays. Que faire pour recouvrir cette intégrité? Comment exercer ou appliquer l'article 63 de la Constitution? Deuxième point, on a parlé de la corruption, de la gabegie, on a parlé des trains de vie des institutions, les députés touchent 21 000 dollars ou plus. Comment arrêter le vol? Comment récupérer de l'argent de ces trains de vie élevés des institutions pour mettre dans l'armée, financer l'armée et gagner la guerre? Nous devons nous asseoir au cours de cette réunion sur la cohésion nationale, parler de ça. Ça, c'est le deuxième problème. Deuxième point. Troisième point. Nous devons quand même parler des droits humains. Partout où vous passez, vous avez les gens de l'ANR. Quand j'arrive à l'aéroport, les gens me regardent, me toisent, comme si je n'étais pas chez moi. Je les regarde, je dis, bon, les bas, là, il y en a un bon Il faut qu'on arrive à régler le problème des violations systématiques des droits humains. J'y laisse maintenant ça à notre membre qu'on a tué devant le siège du parti. Simplement parce que il est membre de la cité, les policiers viennent, l'une va t'envoyer le bourgmona. Boum, ils tirent sur. Est-ce que c'est normal ça? Vous ôtez la vie à un citoyen, il s'appelle que son père est un officier de l'armée congolaise. Est-ce que c'est normal? Pourquoi Jean-Marc Kaboum, Marc Moukeba, et maintenant j'apprends que Serge Kouni, on a envoyé à Makala, on ne sait pas où se trouve Daniel Sako. Pourquoi? Donc, nous devons nous asseoir, dire des vérités et régler ces problèmes des droits humains. Et quatrième point, dans cette cohésion nationale, quatrième élément, c'est la Constitution dit que nous avons un problème de manque de légitimité des institutions de l'État alimentaire. Paragraphe 3, c'est pour cela que les Congolaises et les Congolais, les forces vives de la nation, société civile, partis politiques, ils se sont réunis à Sun City au fin de mettre en place des mécanismes pour adopter une constitution qui permet aux citoyens congolais de choisir librement, démocratiquement, leurs dirigeants. On le voit aujourd'hui, je ne sais pas si vous reconnaissez les résultats. Quand vous êtes parti déposer le bulletin d'adhésion, est-ce que c'est la vérité des yeux? Non. Donc, c'est pour cela. Au quatrième point, nous devons parler des réformes institutionnelles, notamment des réformes électorales, c'est-à-dire comment réformer la loi électorale, comment réformer la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, pour qu'elle soit réellement indépendante. Donc, il faut des réformes institutionnelles pour que demain, nous ayons des élections crédibles, apaisées. Apaisées, ça veut dire, après les élections, c'est lui qui a été battu, il peut se dire, voilà, je félicite tel parce qu'il a gagné. Et tout ça, nous disons que les dialogues du centre interdiocésain, ce sont les catholiques de la Synco qui ont facilité cela. Et aujourd'hui, nous avons un corps qui est là, ce corps religieux. Si vous mettez les catholiques et les protestants
voilà tout ce qu'il voulait ajouter. Mais dans un premier temps, je veux que ce corps-là, la CENCO, est nécessaire, sont très organisés. C'est pour cela que nous disons à nos pères spirituels, venez, mettons-nous ensemble, c'est à eux maintenant de faire des consultations, des discussions et de voir qui doit être là, qui ne doit pas être là. En tout cas, qui doit être là, les parties prenantes. Mais c'est quelque chose qui ne doit pas durer de mois et de mois. C'est quelque chose, moi, à mon sens, quand on commence, les consultations des facilitateurs commencent, et quand on termine les consultations, tout au plus un mois, tout est terminé. Et les consultations et les dialogues proprement dit. Donc, mais que ce que j'attends de ces dialogues, mais j'attends que le pays soit réconcilié, qu'il y ait une cohésion nationale, que nous sortions de cette rencontre avec des résolutions, entre autres résolutions, tous les Congolais, filles et fils, unis pour défendre l'intégrité du pays. Psychologiquement, moralement, d'une façon éthique, nous disons, et déjà cette volonté-là, ça va faire peur aux gens. Il n'y a pas de tribalisme. Mais voilà ce qu'on nous a organisé, un simulacre électoral. Et puis j'aurais appris même ma constitution, vous n'avez pas parlé de ça, madame. Vous voyez maintenant. Pour ou contre la constitution. Est-ce que même un Congolais normal peut accepter qu'aujourd'hui on va réviser la constitution? Non, c'est pourquoi nous disons que non, Kabuya c'est un kamikaze qu'on a envoyé participer. Il joue un rôle de kamikaze. Un kamikaze a eu mission, mais. C'est le cas de Kabuya. Il y a une mission pour suicide. Il y a une mission qui est ici. Maintenant, qu'il y a un gars pour s'appeler ça, chef Nangai. C'est ça le rôle de Kabuya. C'est inopportune. Ce n'est pas le moment. Le moment où nous avons besoin de la cohésion nationale. On n'a pas besoin de réviser la constitution. Il y a un moment où nous avons de la Mouka, nous appelons. C'est juste une diversion pour le distraire tout ça. Peuple congolais, ne vous intéressez pas de ça. Kabuya c'est un kamikaze, Basimbi c'est une bombe, lui-même il sait là il va s'exploser. Et aucune virgule, aucune phrase de la constitution ne sera révisée. Voilà en tout cas, et vos apaisements. Parce que le jour où il fera juste un pas, ça sera un chemin de non-retour. Non, ça sera un chemin de non-retour. Nous, on ne sera pas là pour accompagner Denis Zaïre en 2019. Félix Zaïre qui nous tient à Kadima, ton marché, Batchéli. Azo révisé loi électorale, hein, Zazawana, et vous savez, Soubomote. Cette fois-ci, nous, si on fait une manifestation, ça sera pour chasser Félix, Bavantirité. Et aujourd'hui, ceux qui vont l'unir, qui vont écouter Madame Rabango, ça va faire un pas vers la révision. Donc, c'est pourquoi je dis que non, c'est une distraction. Kamikaze, Azo joue un rôle, mais il va s'exploser lui-même. Concentrons-nous sur la cohésion nationale, cherchons de voisins moyens comment mettre Tshisekedi et son régime hors d'état de nuit. Tout cela dit, si Azawana, tu as dit que notre, voilà, au commissaire sénateur à vie, à défaut, parce que, à tira jamais qu'on est réellement président, mais on peut quand même accepter un sénateur à vie à défaut. Après, tout cela, c'est le pouvoir dans mon toit, il y a ça là qui est légitime, donc c'est comme ça. Et puis, les gens qui parlent de l'article 64, mais il y a d'abord l'article 63, base à la précédente. Appliquons d'abord l'article 63, tout comme on est à les devoirs. Sacré de défendre son pays face à l'agression extérieure. C'est ça ce que nous sommes en train de faire. Il y a des choses pour récupérer l'intégrité de tes droits en Burkina Faso, de Bengani Bangouna, allez, tu as zongé les succombes adversaires à Bissau politique. Pour les raisons de voilà, en tout cas, il y a des gens incompétents, pour que ça nous soit compétent pour la conduire Burkina Faso dans ma solo, tout qui est et puis donc c'est comme ça, maman pour les dents. C'est-à-dire, tout cela, ma gambo, molo. Ne mettons pas la charrue devant le bœuf, ne soyons pas pressés. Article 64, si on doit l'appliquer, ça viendra. Mais pas pour l'instant. Pour l'instant, d'abord, c'est la cohésion nationale. Trouvons des solutions pour sauver d'abord le Congo du danger de la balkanisation. Merci. Qui a rebloqué Maï, moyen, n'a torpillé par rapport à vos alatés, à qui vous débouchez, Nani? D'abord, Nani, Sani Bandi Banga, Natchibala. Qui sont allés là-bas chez Kabila sans l'autorisation et une peste qui s'inquiète. Mais pourquoi est-ce que hier, on parlait le même langage avec Félix concernant le dialogue avec Kabila et Nagasa, mais les lobbies sont obligés, voilà, il y a des gens qui ont Kabila dans le passé. Tu es le problème que nous cherchons à résoudre. Le problème de la légitimité.
Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, mais il y a qu'à tout solo là autour d'une table. Au lieu que je me suis deux exposés dans mon plateau de télévision, et ça pour déshonorer Bissot. Mon loupayaye, il y a ma Bissot. Nani Jean-Pierre Lacroix. Anthony Bissot, moi, je suis secrétaire général adjoint des Nations Unies pour la paix. Je suis secrétaire général du Congo et secrétaire dans l'Est. Comment faire pour maintenir la paix au niveau du Congo? Anthony, le président Matefa lui a dit que non. Moi, je vous propose le processus de Kinshasa. C'est-à-dire quoi? Vous, en tant que la communauté internationale à travers les Nations Unies, vous accompagnez le processus Wana pour vous permettre de résoudre les problèmes de Bissot-Bissot-Moko. Parce que rien de bon sortira du processus de Luanda. Le problème de l'insécurité à l'Est ne sera pas résolu entre nous et le Rwandais. C'est un problème congolo-congolais. Il a présenté ce plan-là. Chadar est professeur doté. Je ne sais même pas ce que vous devez dire. Directement, il vient de pondre un mémorandum. Abiono, voilà, Bissot la quoi, Bissot tourne un dialogue. Oh, il a posé une question, il a tant de Congolais. Quelle est la solution pour résoudre les problèmes de l'Est? Vous critiquez matin, fin, midi, matin, midi, soir. Hein, par ce qu'on appelle les agents de marketing, des journalistes qui ont même perdu l'éthique. Des garçons de course par-ci, par-là, ils ne viennent pas le matin, Fayoul. Mais vous ne proposez rien. Batouni Chadar, yo awa toutoué ma kamoro lobela, ma gama dialogue. T'habite, même moi n'a rien à yo. Biso, toboy dialogue n'a tisekedi. Parce que, un, a respecté la corte. Deux, a violé la constitution. Il ne respecte pas les droits humains. Et puis, troisièmement, pour avoir résolu des problèmes à la légitimité de l'institution, to sengi na biso to appliqué article 64. Regarde un peu une réflexion. Le président Martin Fayoulou, quand il a lancé l'appel à la cohésion nationale, ce n'est pas pour comment c'est-à-dire résoudre les conflits du mariage entre Kabila et Tshisekedi, non. L'air Bostara dit encore Nabino, il y a FCC Cash. Vous avez vu Katoum, vous avez vu Martin Fayoulou, vous avez intéressé le peuple congolais. Au contraire, vous avez orchestré un complot pour confisquer Victoire Nabango. Mais les lobes ont dit accord FCC Cash, tout ça. Nous, on n'est pas concerné dans ça. Venez avec votre cahier de charge. Faisons des propositions pour voir comment on va résoudre les problèmes de l'insécurité à l'Est. Mais ça ne concerne pas les Congolais. On va gagner quoi? Parce que les accords que vous avez signés sont retenus par moi, par accord de Mozani, accord de gouvernance. Gouvernance, il n'y a pas de raté. Bon, Kabila, il n'y a pas de raté, par accord de gouvernance. Mais bon, c'est pourquoi je tiens à préciser au peuple congolais que non, le président Martin Fayoulou n'a jamais fait un deal avec Tshisekedi et il ne va même pas lui donner la béquille. Pendant que Tshisekedi est aux abois, on ne viendra pas pour lui donner la béquille. C'est ça, c'est ce que nous devons expliquer aux gens. Voilà pourquoi Batamaye est le maître Loro Nyemba. Il est ensemble. Il s'est déplacé personnellement. Il a demandé le contact. Moi, je lui ai mis en contact avec le président. Il est allé pour demander le président de lui expliquer c'était quoi la cohésion nationale. Et aujourd'hui, quand on est ensemble, les avis sont partagés. Il y a certains qui sont pour la cohésion nationale et d'autres. Et finalement, on a mis la tête de la salle, on a un groupe de gens, qui est le président de Sénégal, pour le retirer comme préalable. Voilà les préalables ensemble avant de participer à la cohésion nationale. Mais vous dites ici dans les médias que non, pour participer, t'es bon, l'ingé à moté. Mais on peut retirer comme préalable pour le retirer. Il faut éviter l'attitude de borderline. Ozawana, Namo et Zoboya, mais Nabou, tout le monde est lancé, aux autres de l'autre préalable. Mais bon, on va en parler. Et sachez-le bien que Maman Paulette, Sogi Lobby, va convoquer dialogue. Katoum de Roya, Kabila Roya. Chacun est en train de faire monter les enchères. Tout simplement parce que l'initiative émane de Martin Fayoulou. Or, ce n'est pas Martin Fayoulou qui va gagner, c'est le Congo qui gagne. C'est ça ce que nous disons à nos frères. Oh, nous avons besoin d'invitation. Il y a des gens qui ont convoqué, pas besoin d'une invitation. Bah, on peut avoir une invitation et pas un bateau pour convoquer, pas un bateau pour assurer bons offices. Il y a des partis prenant tout le bino. Il y a pour représenter résistance parce qu'il n'a jamais reconnu le pouvoir en place. Bino pour représenter opposition parce que Boyebi Tshisekedi comme étant président la bino. Kabila pour représenter AFC en même temps pour ne pas opposition armée. Pour la bango, pour la gouverner Tshisekedi, il faut aussi s'y mettre une doute. On est ça comme on est moins naïf. Parce que je vais battre que notre moteur joue à quoi. Kocha bino po wana, azapena makanisina ya mabe, po na mboka na bino. Et puis Tshisekedi a représenté Union Sacrée na ye, en tant que chef de file. On n'aura pas besoin de battre et qu'on sort. Discussion de ce que tu auras en direct. Deux jours, c'est trop. C'est fini. En tout cas, le président Martin Fayoulou est ouvert à tout le monde. Tous ces faits de l'opposition, tu as vu, en dehors même, il y a Laurent Nyemba, film de Ndolo Bondi.
Il a sollicité l'audience à Kendaki, Meda Kabolo. Il a reçu des leaders d'opinion, des leaders politiques, des aspects des ONG, qu'ils ont venu le voir. On a expliqué, bon, les lots sur les 100% des Congolais, 90% sont pour la cohésion nationale, parce que ceux qui refusent la cohésion nationale, bah, ça, la société, tu sais que toi, tu nous dis que non, voilà, il y a la crise de l'insécurité à l'Est. Quelle est la solution? Il n'aura pas la possibilité parce que notre armée n'est pas réformée. Si pendant 5 ans, vous n'avez pas réformé l'armée, vous pensez que dans 2-3 ans, il y aura la réforme? Non. Or, la réforme de l'armée passe par un bon recrutement. Vous voyez? Passe par un bon recrutement et puis une bonne formation. Or, la plupart des militaires, au côté de la mission, la tête à faire des soins. Ils ne sont pas bien. Donc, on a recruté n'importe qui et puis on les a mal formés. Moto a mal formé, son opécier Mondou. Mais il viendra battre notre militaire comme il a fait Nani Ndegonabiso. C'est pour cela que c'est un policier mal formé. Comment se fait-il que Oye, toi tu es policier, il y a une incompréhension avec un civil, vous tirez sur lui. C'est la mission IGF. Mais je l'ai dit, je l'ai vraiment exalté. Peuple Lingi et Yéba. Bon, on est remé, on est remé. Banabino botinda mikili me bizo awa botinda ganya magazizi mwana koyo kagongo mbena monoko kweza laga gashura bonane frema pasele kitro wele boza beda shure yako kusule po bizo ba oba lagiza misapi bizo ba benga bafabandone mera tangisi mwana na pasi mevye mwane suki kagana mwakabin ba polisia ba gangela bangi mzoka bango mokonde ba frenwa ler. Je ne peux pas.